temps à autre, dépendamment de la situation. Bolduc entre par le centre, il est rapide, un tir et un but! Quel tir de Zachary Bolduc! Et dès le départ, les Remparts qui marquent. Typiquement, une entrée de territoire hors l'aile, un excellent angle droitier pour lancer au filet. Un tir dans la partie supérieure de Bolduc et Riley Mercer. Mais là, il a dépassé la ligne. Et ça donne une chance aux Remparts d'aller doubler leur avance dès la mi-chemin de la première période. Dégagement bloqué par Langlois à la ligne bleue. Attention, là, haut de l'enclave, Rochette, son tir à Ren Mercer et le retour était tout près de son patin. Mercer qui réussit à stopper la rondelle et forcer la mise au jeu dans son territoire. C'est Pedor qui va entrer du côté droit. Pedor, une passe interceptée par le défenseur Truchon, puisque de l'autre côté, on avait deux coéquipiers qui étaient libres. Attention, la Rochette s'amène. Une fin de tir en rade de Mercer. Woodward, rondelle redirigeant en territoire de Québec. Attention, la Woodward a intercepté le disque. Un tir en rade du défenseur Savoie. Ensuite, le tir de Woodward à la main! Woodward qui profite de la circulation devant le filet de Miller pour envoyer un tir, a pris la bonne décision et il a profité d'une deuxième chance après un tir bloqué, ne s'est pas laissé décourager, renvoie la rondelle. Ligne bleue à Baudry pour Fortin à gauche, Fortin vers Baudry, vers côté, tir sur réception, la main! Justin Compton! Et je crois que la rondelle a touché au défenseur Nance de Québec sur la séquence. Ça semble avoir gêné Miller, semble avoir changé de trajectoire devant lui, alors que Nance tentait de bloquer le tir et je crois que ça a peut-être touché à son bâton, là, mais quand oui. Même, on avait préparé le jeu du côté des voltigeurs. La passe de la pointe jusqu'à côté ensuite. Il n'en fallait pas plus pour que ce tir sur réception dans le bureau à Ovechkin, comme on dit, Simon. Profite au voltigeur. Le déplace sur la ligne bleue, passe derrière à Rochette, au cercle, derrière à Langlois. L'endroit pour Bolduc, tir sur réception et la mur. Deuxième but ce soir de Zachary Bolduc. Et c'est l'égalité 2-2. But marqué. Tir très précis du haut des cercles. Il savait exactement où se positionner pour rendre la vie difficile à Riley Mercer. Un tir partie supérieure, côté de la mitaine. Alors qu'il avait beaucoup d'espace pour décocher le tir et Mercer n'y pouvait rien. Le tir était parfait dans la partie. Passe pour Rochette. Laisse glisser à Roy et ça revient à Rochette. Ligne bleue à Naus. Il a de l'espace. Naus transversal pour Roy. Roy dans l'enclave pour Bolduc et marque son troisième but de la période. Zachary Bolduc avec 31 secondes et 9 dixièmes à faire en première. Il marque le troisième des Remparts, c'est 3-2. En première période, il a été partout. Il a écopé d'une pénalité, il a marqué 3 buts. Il manque juste une bataille, Simon, là, pour que sa période soit complète. Et encore une fois, très beau jeu préparé là, par les Remparts. On a déplacé Mercer complètement à sa gauche. Roy de l'autre côté. Roy vers le filet, un lancer bloqué du bâton par Mercer. Dans l'enclave, attention, un tir qui a l'arrêt de Mercer sur le lancer dangereux de Rochette. Et par la suite, c'est aussi un tir de Marquis. Ça a été bloqué du bouclier par Mercer. Tomov, passe audacieuse devant son gardien, voilà le but! Revirement de Tomov. Et oui, les Remparts dans deux. Je crois que c'est le numéro 6, Andrew Guan, qui a marqué ce but à la suite du revirement. Et ça va faire mal à Drummondville. C'est 4-2 Québec. Il ne pouvait pas y avoir de pire moment, Simon, pour commettre ce revirement devant le filet des voltigeurs. Et je crois que légèrement de son filet. Passe interceptée par Woodward. Woodward vers Oliver. Oliver, son tir au retour. C'est Woodward qui ne peut en profiter. Côté maintenant. Prend la rondelle. Côté remonte vers la ligne bleue. Passe pour Baudry. Transversal, le tir là-bas! Jérémy Lapointe! La patience de Baudry, Simon, qui a attendu que Lapointe s'amène. Jean passe soulevé vers Lapointe qui n'a qu'à pousser dans la cage des Remparts. Excellent jeu, tir sur réception.
convaincant et les Voltigeurs sont de retour. Et c'est drôle, Simon, parce que j'allais te dire, en ce moment, les Voltigeurs ne tirent pas assez au filet. Les tirs sont pas assez directs. On prépare du jeu de dentelle. Et là, très beau jeu de Morin pour permettre cette chance au filet. Lamoureux, la ligne bleue. Ligne début à Oliver. Oliver, patient. Court vers l'enclave. Oliver a de l'espace. Accroché, son tir là-bas! Sam Oliver! Wow! Simon, quel match de hockey ici au centre Marcel Dion. Les Voltigeurs sont de retour dans le match grâce à un tir par alors que la vue de Miller semblait légèrement voilée. Cette rondelle s'est glissée entre un joueur des Voltigeurs et un joueur des Remparts. On a un nouveau match avec 8 minutes 27 à faire en troisième période. Et on le voit à la reprise, hein, le gardien de but Miller, c'est... compromis. Oui, c'est déporté même sur sa droite. Là, il avait le milieu de son corps tout près du poteau à sa droite. Et là, ça a ouvert l'espace du côté gauche. Ça rate à la gauche du gardien. Attention, le Québec va s'amener en surnom. Rochette à droite. Il s'amène. Patient. Le tir à la bulle. Savoie marque. Et Québec l'emporte. 5 à 4. C'est dommage. Tyler Peddle a perdu une demi-seconde. Et Savoie, qui avait joué un excellent match jusqu'ici, a réussi à étendre son bâton tout juste au-dessus de la couverture de Tyler Peddle. Et les Remparts de Québec, sans nécessairement ne pas avoir eu chaud...